Je pense que les élèves viennent chercher à la fois un savoir-faire, et un savoir-faire que l'on a évidemment sur les métiers du vin en France, et puis un savoir-être indispensable pour évoluer dans cette profession-là, dans les professions des métiers du vin. Ils choisissent le cordon bleu parce que aujourd'hui le cordon bleu véhicule une image d'excellence, et par le fait que nous sommes implantés dans énormément de pays, on est à même de pouvoir leur donner un enseignement en s'adaptant à toutes ces différentes nationalités. Alors le fait d'être situé à Paris, on est au cœur en fait de la sommellerie internationale. Vous avez la plus grosse concentration de sommeliers au monde, la plus grosse concentration d'expertise dans les métiers du vin, et puis on est à même de pouvoir se diriger depuis Paris vers de très très nombreux vignobles. Donc d'un point de vue géographique, c'est un élément extrêmement stratégique de venir étudier à Paris. Sur le programme des métiers du vin management, qui dure 10 mois, nous avons une alternance de cours théoriques et de cours pratiques. Les cours pratiques ont lieu en stage, et nous avons 3 stages dans l'année, dont un stage extrêmement important, un stage en vinification. L'étudiant va intégrer un chai, une entreprise vinicole, et participer à l'ensemble des tâches et l'élaboration en fait d'un vin, principalement sur Bordeaux, donc sur Saint-Émilion, mais également dans certains domaines en Alsace ou dans la Loire. Ce diplôme a été conçu de façon à prendre le meilleur de chacune des formations existantes en France. Nous avons pris le meilleur du journalisme spécialisé dans le milieu du vin, le meilleur de la sommellerie, le meilleur du métier de caviste, et nous avons créé un diplôme sur mesure pour amener compétences, savoir-être, savoir-faire auprès d'étudiants qui viennent du monde entier. Le cursus que les étudiants réalisent pendant un an au sein du Cordon Bleu leur permet aujourd'hui de se destiner vers 4 grands types de professions. Devenir sommelier, devenir importateur, être journaliste spécialisé ou créer une activité dans l'œnotourisme.